secrétaire général de l'Élysée. Et nous voici dans le Salon Doré, votre bureau désormais, monsieur le président. Ah ouais, ça tue. Ah non, c'est trop bien, c'est beaucoup plus grand que ma chambre. Le général fut le premier à l'occuper. Ah non, la chaise, ça va pas du tout, par contre. Non, il faudra mettre des roulettes, on va mettre une chaise de gamer. Très bien. Alors, en tant que chef du protocole et au nom de toute l'équipe de l'Élysée, nous sommes heureux d'accueillir le plus jeune président de la République jamais élu. Ouais, ça c'est parce qu'ils ont changé le système de vote, comme ça se fait en ligne maintenant, ma communauté elle était à fond, j'ai même pas de programme. Bien, alors nous avons un certain nombre de points à voir ensemble, à commencer par la valise nucléaire. En tant que chef des armées, vous devez prendre connaissance du code de tir. Évidemment, personne d'autre que vous ne doit connaître ce code extrêmement confidentiel. 4237. 4237, ouais, ça... Et voici votre portrait officiel, j'espère qu'il sera à votre goût. C'est ma photo, ça? Ah, mais ça va pas du tout. Ça donne pas du tout envie de cliquer. Pardon, deux. Ok, faut tout faire soi-même ici, j'ai compris. Photoshop, contour blanc, voilà, la flèche rouge, imprimé. Voilà, ça c'est une bonne photo. Là, ça interpelle. Vous voulez qu'on mette ça dans toutes les écoles et les mairies de France? Ouais. Ah. C'est votre ligne, monsieur le président. Ah oui, c'est vrai. Je suis con. Oui, ici le président de la République. Yes. Yes. Donald Trump. Thank you, but Trump, c'est pas le bon numéro, tu t'es trompé. Vous avez pas filmé? Mais quand je fais un truc comme ça, il faut filmer. Là, on avait une vidéo de malade. Prank, je piège Donald Trump, ça tourne mal. 10 millions de vues facile. Navré, monsieur le président. C'est ce qu'on va faire. On va faire un podcast. Un quoi? Depuis que je suis président de la République, plus personne ne m'appelle Cyprien. C'est terminé, tout le monde m'appelle Monsieur le Président. Monsieur le Président. Non, tu peux m'appeler Cyprien. Monsieur le Président Cyprien. Non, Cyprien tout court. Monsieur le Président Cyprien tout court. C'est nul. Dis juste Cyprien. C'est super Cyprien. Nul. C'est quoi ton prénom déjà? Hervé, Monsieur le Président. Hervé, c'est super nul, hein. Tu joues super mal, tu feras jamais YouTuber, ça c'est sûr. Hein. Ah oui, entrez, entrez. Tu mets ça ici? Ouais, mettez ça là, ouais. Qu'est-ce que c'est, monsieur le président? Bah, c'est le placement de produits. Prenez-en, il y en a plein. Hein. De toute façon, j'aime pas ça, c'est pas bon. Vous allez faire du placement de produits à l'Élysée? Ouais. J'ai vu la dette publique sur Internet, il faut bien avoir des idées là pour rembourser tout ça. Bon, maintenant que je suis président, il n'y a pas un truc que je peux faire Alors, en premier lieu, vous devez nommer votre gouvernement. Bon? Bah, les ministres que vous avez choisis. Enfin, j'imagine que vous avez pensé à un gouvernement. Ouais? Ouais, j'ai fait ça. J'ai... Oui. Vous êtes sûr? Mais bien sûr, j'ai un gouvernement de... Bah demande, j'ai tout le monde, vas-y. Votre premier ministre? Squeezie, Norman, c'est Norman, mon premier ministre. Ministre de l'éducation? Docteur Nozman. Ministre de la santé? Santé... dans ton corps... Oui, bon, bref, j'ai la liste, t'inquiète pas, je t'enverrai un mémo. On va plutôt faire une allocution. Excellente idée, monsieur le président, vous allez vous adresser aux Français. Je vais appeler les chaînes de télévision. Oui. Hervé, les chaînes de télé? À quelle époque tu vis? Non, on va faire un live Facebook. C'est très bien ça. Française, Français, tout d'abord, merci de votre confiance. En tant que président de la République, je prends ce rôle très à cœur. Aussi, j'ai décidé de ne pas perdre de temps avant de mettre en place ma première réforme. Chers concitoyens, à partir d'aujourd'hui, il y aura une réduction d'impôts pour chaque Français qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. S'il y a des questions, c'est sur Twitter. Hein. Sinon, UV Energix.